Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch qui vous permettra d'être totalement invincible sur GTA Online. Donc vous allez pouvoir bouger, tuer les flics, aller voir vos amis, monter dans une voiture et vous serez toujours, quoi qu'il arrive, invincible. Donc c'est vraiment un glitch énorme. Par contre il y a un seul inconvénient avec ce glitch, c'est qu'il vous faudra tout simplement acheter un appartement. Je vais le montrer d'ailleurs tout de suite. Donc il coûte 29 500, donc c'est bien dommage qu'il faut acheter un appartement, mais franchement ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Donc pour l'acheter vous allez tout simplement vous rendre sur Dynasty 8. Donc on va y aller tout de suite, voilà, acheter propriété. Faut que j'agrandisse la carte, oui ça peut être utile. On va agrandir la carte. Voilà, donc vous allez acheter un appartement qui se situe à cet endroit là. Donc moi on ne le voit pas sur la carte, je ne peux pas l'acheter étant donné que je suis déjà propriétaire de cet appartement, de ce garage. C'est pas un appartement, c'est un garage. Je tiens à préciser que si vous faites ça, faites attention, vous allez perdre des véhicules. Donc garez bien les véhicules que vous voulez pas perdre dans un autre garage et faites ce glitch juste après. Et franchement il est vraiment très très simple, il se réalise solo, tout seul, donc en solo. Donc faites vraiment attention parce que c'est un garage à deux places. Donc si vous remplacez par un garage où il n'y a que des super sportifs, vous allez vraiment l'avoir dans le cul, si je puis me permettre. Vous allez garder que 2 voitures sur 8. Donc voilà où se situe l'appartement sur la carte. L'appartement, j'ai l'habitude de dire l'appartement, mais ça serait plutôt un garage. Donc pour réaliser cette manipulation, vous allez simplement sortir une voiture devant devant ce garage et tout simplement rentrer dans ce garage une nouvelle fois. Une fois que vous êtes rentré dans ce garage, vous allez pouvoir voir que vous allez sortir de la voiture. À ce moment-là, vous allez remonter dans la voiture. Mais au moment où vous allez remonter dans la voiture, vous allez tout simplement déconnecter votre manette Xbox 360 ou PS3, donc comme moi sur la vidéo. Et vous allez tout simplement attendre environ, je dirais, au moins 5 à 10 secondes. Et une fois que ces 5 à 10 secondes sont passées, vous allez tout simplement reconnecter et rallumer votre manette. Si tout s'est bien passé, le menu Start sera activé et vous allez vous retrouver en plein middle de map. Et comme je vais vous le montrer actuellement sur l'écran, vous allez pouvoir voir que je suis totalement invincible et je peux bouger sur la map. Donc là, je vais attirer les flics afin que vous puissiez voir qu'ils ne peuvent pas me tuer. Je peux monter dans des voitures, je peux vraiment tout faire et vous êtes totalement invincible. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch. Il est vraiment très très simple. Le seul inconvénient, c'est que vous allez perdre des voitures et qu'il coûte le garage coûte 29 500 $. Mais c'est pas très grave. Moi personnellement, j'ai l'argent, donc j'en ai profité. Faites un petit glitch d'argent. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous l'acheter facilement et pouvoir troller un peu vos potes. En leur disant on vient te battre et du coup vous allez les tuer étant donné que vous ne pouvez pas mourir. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch. Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter, donc tous les liens se trouveront dans la description. Mon groupe Facebook, ma page Facebook, mon Facebook personnel. Il ne me reste plus que 1300 places sur mon Facebook personnel. Donc dépêchez-vous de venir m'ajouter. Je vous accepte, il n'y a aucun souci. Rejoignez aussi ma chaîne secondaire spéciale 100% course. Donc vous trouverez des courses moto ou BMX, que ce soit sur Xbox 360 ou PS3. Donc on vient de passer le cap des 2100 abonnés, je vous remercie. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, partagez-le sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.